consolation, une lampe devant mes pas. Ta voix a triomphé de l'ouragan, remporté le combat. Tu m'offres chaque jour dit, nous sommes pour Dieu le parfum de Christ. Nous sommes pour Dieu le parfum de Christ. Qui a dit ça? Ça fait longtemps, hein? Qui? Paul. Très bien, bonne note au bulletin. C'est sûr, hein? C'est Paul, c'est l'apôtre Paul qui a écrit ça il y a bien longtemps maintenant, presque 2000 ans. Nous sommes pour Christ. Nous sommes pour Dieu le parfum de Christ. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Et je vais partager ce que j'ai à cœur ce matin en expliquant ces mots. Nous sommes pour Dieu le parfum du Christ. Il y a bien longtemps, j'étais encore jeune célibataire. Et évidemment, j'avais envie, comme tous les célibataires du monde, de sentir bon. Surtout pour aller voir sa dulcinée. Alors, comme je ne suis pas très doué, ben, j'ai été dans une parfumerie, pas au GB, mais dans une parfumerie où il y a des gens qui expliquent un peu les choses. Alors, je lui dis, je voudrais un parfum, j'explique un peu, bon. Je vais vous faire sortir les parfums, sentir les parfums. Mais ils sentaient tous bons. Alors, pour finir, 5-6 parfums, on ne sent plus très bien ce qui est bon et pas bon. Elle me dit, mais c'est pour quoi faire, monsieur? Ben, je vais rencontrer aujourd'hui la première fois ma fiancée. Elle n'était pas encore fiancée, hein. On était en route pour aller de l'avant. Elle me dit, mais je vais vous faire sentir quelques parfums.
Je ne suis pas habitué au parfum. Et elle me fait sentir un parfum. Elle dit, mais sentez, ça prend du temps, hein, c'est dingue ça. Elle m'explique comment il faut faire pour bien apprécier le parfum. Enfin, elle m'a fait sentir une dizaine de parfums. Je dis, mais qu'est-ce que je suis venu faire ici? Elle est malin, heureusement qu'il n'y avait personne. Mais quand même, cette dame a voulu bien faire. Et ça m'a amené à préparer ce message qui a été initié par l'apôtre Paul lui-même. Nous sommes pour Dieu le parfum du Christ. Je me demande ce que Dieu a envie de sentir chez moi. Nous avons déjà tous compris, ce n'est pas notre odeur sous les aisselles ou aux pieds, n'est-ce pas? C'est autre chose. Nous sommes pour Dieu le parfum du Christ. La brave dame, dans ce magasin, elle a bien vu que j'étais un peu paumé dans l'histoire. Elle m'a encouragé. Elle dit, mais qu'est-ce que vous voulez faire avec ce parfum? Ben, c'est pour moi, je n'osais pas trop le dire, mais bon, c'est pour moi quand même. Ah, vous avez rencontré quelqu'un que vous aimez bien? Oui, j'explique un peu. Mais alors, je vais vous donner quelque chose qui va à coup sûr être agréable. Bon, j'ai écouté cette dame et ça a marché parce que depuis lors, je suis marié depuis longtemps et je suis encore marié, ce parfum a toujours fait son effet. Je suis pour Dieu le parfum du Christ. Je suis pour Dieu, je le répète encore une fois, le parfum du Christ. Est-ce que vous pouvez dire ça? Je suis pour Dieu le parfum de Christ. C'est sûr que ce n'est pas un parfum de magasin, c'est autre chose, bien autre chose. Ce parfum dont il est question, c'est Paul qui nous le donne dans sa belle lettre aux Corinthiens, c'est la deuxième épître de Corinthiens, 2 Corinthiens 2 Corinthiens 2, j'ai tellement bien écrit, je ne sais plus ce que j'ai écrit, versets 14 à 17. Donc 2 Corinthiens 2, 14 à 17. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours, toujours triompher en Christ. On gagne toujours. Et qui répand par nous, il répand par nous, nous les rachetés, les enfants de Dieu, il répand par nous, en tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Qu'est-ce que moi je répands autour de moi? Qu'est-ce que nous répandons autour de nous? Ici l'auteur dit, nous répandons la connaissance de Dieu. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum du Christ. Nous sommes pour Dieu le parfum du Christ. Oh, c'est fort, hein? Parmi ceux qui sont sauvés, donc ceux qui sont devenus chrétiens, et parmi ceux qui périssent, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas accepté Christ. Nous sommes le parfum du Christ. Alors imaginez que vous avez mis du bon parfum ce matin, ou hier, ou demain, n'importe jour. Mais ce parfum, il n'a pas d'effort à faire, il est là, on le sent. Certains vont dire, tiens, c'est le même parfum que moi. D'autres diront, mais je ne connais pas ce parfum, mais il me plaît bien. Nous sommes le parfum de Christ. Je retourne à ce verset tout à l'heure. Aux uns, une odeur de mort. Ben oui. Le même parfum peut être apprécié de l'un, mais autour, tu vois, t'es grand. Donnant la mort. Aux autres, une odeur de vie dans la vie. Et qui est suffisant pour toutes ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais avec sincérité. Et c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Quel est le parfum que je répands autour de moi? D'abord, dans ma famille immédiate, quel est le parfum en tant que chrétien que je répands? Autour de ma famille élargie, quel est le parfum que je répands? Et si je prends le commerce, le parfum du commerce, il ne faut pas faire beaucoup d'efforts, on sent qu'il y a un certain parfum, et certains diront, ben, ça sent bon, d'autres diront, ben, non, j'aime pas tellement. Quel est le parfum que je répands? Nous sommes pour Christ, nous sommes pour Dieu le parfum de Christ. Est-ce que les gens, quand je passe chez eux, quand je vais chez eux, quand je parle avec eux, est-ce que ces gens remarquent quelque chose qu'ils n'ont pas? Il y a des parfums qu'on n'aime pas, hein, ça c'est sûr. Mais quand c'est un bon parfum, il est toujours intéressant de dire, tiens, c'est quoi ça? D'où ça vient? Ça coûte cher, pas cher, etc. C'est quoi ce parfum? Ici, l'auteur dit, nous sommes pour Christ le parfum de Dieu. Nous sommes pour Dieu le parfum de Christ. Christ et Dieu, c'est la même chose. Est-ce que ceux qui me rencontrent, avec qui je bavarde de temps en temps, se disent, mais cet homme-là, cette femme-là, qu'est-ce qu'il y a là que je n'ai pas? Qu'est-ce qui dégage chez elle
un sourire, un bonheur, une espérance, une assurance. Quel est ce parfum qu'elle a, qu'il a? Le parfum dont il est question, et c'est Paul qui le donne, pharisien s'il en est, il s'est inspiré évidemment de l'Ancien Testament. C'était quoi ce parfum de l'Ancien Testament? Je vous le lis, Exode 30, verset 34 à 37. Donc, Exode 30, j'y arrive, 34, 37. L'Éternel dit à Moïse, « Prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, on dirait des marques, hein, du gabanum et de l'encens pur en partie égale. » Voilà, différents parfums. Je ferai avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. On pense parfois que dans l'Antiquité, les gens ne se parfumaient pas, mais ce n'est pas vrai. Ils se parfumaient aussi, et avec du parfum qui était de grande qualité. Tu le réduiras en poudre, de ce parfum, et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation, même. Le tabernacle, c'est-à-dire c'était une tente, avait le privilège d'enfumer cette tente avec ce parfum spécifique. Tu réduiras en poudre, tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontre avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous du parfum semblable. Ah, dans les mêmes proportions. Oh, oh. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera un semblable, imitation, pour le sentir, sera retranché de son peuple. Beau verset, ça. On ne s'imagine pas que ce peuple, dans le désert, pouvait se parfumer. On se dit, mais où est-ce qu'ils vont chercher ce parfum? Un parfum, en plus, qui sent très fort, qui est très spécial. On ne peut pas en faire ce qu'on veut. On ne peut pas aller où on veut avec ce parfum, et certainement pas dans le tabernacle, dans la tente d'assignation. Quel est le parfum que j'utilise? Le parfum que j'utilise, c'est celui du chrétien. Je ne parle pas ici du parfum qu'on met sous des bras. Je parfume de ce qui exalte de moi, ce qui sort de moi, ce qui sort de ma bouche, par exemple, de mes gestes, de mes attitudes, de mes pardons, de mes gentilles paroles. Quel est le parfum? Quelle est la marque de ce parfum que je partage? L'apôtre Paul savait de quoi il parlait, lui qui avait été pharisien, qui avait été, comme vous le savez, persécuteur des chrétiens. Beaucoup sont allés en prison, d'autres ont été mis à mort à cause de sa puissance qu'il avait obtenue, mais un jour il a donné sa vie au Seigneur. Il est devenu lui aussi quelqu'un qui a été poursuivi et qui a été parfois bien dans la semoule. Les tribus d'Israël, ça c'est plus étonnant. On ne s'imagine pas qu'en Israël, ce grand peuple, très nombreux, semble dire qu'il y avait 2 millions de juifs dans ce grand peuple dans le désert. 2 millions, c'est beaucoup. Et on pense qu'ils ne se lavaient pas. Mais non, ils avaient aussi le parfum. Un parfum sans doute spécial. Et dans le temple, quand ils y allaient, à la tente d'assignation, il fallait quand même être envahi par ce parfum qui se répand autour d'eux. Il y a des parfums différents, vous le savez évidemment. Mais le parfum dont il est question ici, c'est un parfum unique. Un parfum qui est spécial. Alors je ne suis pas assez intelligent, mais j'ai lu dans le dictionnaire ce qui est dit de ce parfum qui était fait pour les Juifs à l'époque de la traversée. Et c'est un parfum qui est fait à partir d'un coquillage de mollusques qu'on trouve dans la mer. Hein. C'est aussi un parfum qui est mélangé avec de la sève laiteuse d'un arbre de Syrie. C'est toujours comme ça que ça se fait. Et puis c'est aussi accompagné de résine d'aromates du sud de l'Arabie. C'est bizarre, hein. Arabie, pas trop juif ça, hein. Syrie, pas trop juif non plus, et pourtant c'est de là qu'une partie des prélèvements sont faits pour mélanger avec ce qui se trouve en Israël. Et c'est ce parfum-là qui avait été ordonné à Moïse de faire fabriquer. C'était un métier d'ailleurs
parfumé, de préparer ce parfum et de le répandre dans le temple. Vous pouvez lire ça dans Exode 31, tous les détails y sont. Vous pouvez essayer de l'imiter, ça vous coûtera cher, mais vous pouvez essayer. Dieu nous a donné aussi un odorat. Et tout le monde sait que quand ça sent bon, ben c'est très agréable. Quand ça sent pas bon, c'est forcément désagréable. Donc nous avons un odorat. Et la question que je pose aujourd'hui pour nous tous, qu'est-ce que je sens moi? Qu'est-ce qu'on sent chez moi? Il ne faut pas venir à côté de moi pour sentir si je sens bon. Mais qu'est-ce que les gens ressentent quand je passe près d'eux ou que je parle avec eux? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Il a un bon parfum celui-là, souvent à Paris. Il y a des parfums spéciaux comme ça. D'autres ne sentent rien. Il y en a qui sont mauvais. Autant choisir, choisissons le meilleur. Le parfum, dans notre texte, c'est un parfum qui était spécial, évidemment, c'est ce que Paul dit, qui a été créé déjà à l'époque d'autrefois, dans le désert, et qui servait pour les sacrifices de Dieu. On pense parfois que les gens venaient comme ça, mal lavés, faisaient un sacrifice, une petite prière. Non, non, non. Les gens se préparaient. Un peu comme nous, on va à l'église, on se prépare, on met, tout le monde ne met pas de cravate, on ne met plus de cravate aujourd'hui, mais on se prépare parce qu'on va à l'église. On ne vient pas en salopette, quoi. Encore que si on est en salopette, je ne serais pas mis dehors. Hein. Mais on vient propre, voilà, on va avec d'autres. Mais surtout, ce n'est pas tant l'extérieur qui est important pour nous ce matin, c'est notre être intérieur. Et je reviens à 2 Corinthiens, chapitre 2, 14-17. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher du Christ. Je répète, hein, c'est très fort. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours, Dieu nous fait toujours triompher du Christ. Quand je suis déprimé, par exemple, découragé, cassé, démoli, je dirais même au bout du rouleau, est-ce que je dégage à ce moment-là ce parfum de Christ? Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous, en tout lieu, n'importe où, l'odeur de sa connaissance. Nous avons tous des parfums différents. Il y a des parfums plus marquants que d'autres. Il y en a qui se parfument plus que d'autres. Mais on sait presque d'avance, tiens, ah, voilà Germaine ou là Lucien ou André. Son odeur passe en même temps que la personne entre quelque part. Et on sait qui est cette personne. Il ne s'agit pas trop de ce parfum-là. Bien sûr que je parle ce matin, c'est d'un autre parfum autrement plus important. Le parfum, par exemple, de la connaissance de Dieu. Qu'est-ce que je connais de Dieu? Ah oui, Dieu, on ne sait pas, on ne l'a jamais vu. La Bible parle de Dieu. Certains disent qu'il a une barbe, d'autres disent qu'il n'a pas de barbe, parce qu'on mélange Jésus et... Qu'est-ce que je sais de Dieu? Quel est pour moi le parfum qui se dégage de la parole de Dieu quand je lis cette parole? Ou quand je l'écoute, hein? Qu'est-ce que ça me rapporte? Si je passe à quelqu'un qui a un bon parfum, je ne vais pas lui voler, hein? Je vais passer à côté, ça sent bon, hein, ma chérie? Dis à ma femme, un bon parfum, ça. Ou on dira, ça ne sent pas très bon ce parfum-là, parce qu'il y a des parfums qui ne sentent pas très bon. Que pense mon voisin de moi? Ici, c'est pas difficile, ils sont tous morts, ils disent rien. Mais généralement, on a des jardins à côté de chez soi. Qu'est-ce qu'ils pensent, les voisins de nous? Qu'est-ce qu'on dégage comme parfum? Je ne parle pas ici du parfum qu'on peut renifler, mais du parfum, de la façon de vivre. Qu'est-ce qui se dégage de moi, pour mes voisins, pour mes collègues au travail, pour ceux qui me voient au commerce, ou n'importe. Qu'est-ce qu'ils pensent de moi? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Qu'est-ce qu'ils ressentent en me rencontrant? Verset 15, je vous relis, 2 Corinthiens 2, verset 15. Nous sommes, c'est Paul qui dit ça, hein, je répète, il est en prison, il écrit cette lettre. Nous sommes, libres ou pas libres, nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Quand quelqu'un me parle, est-ce qu'il voit en moi quelqu'un qui est pour Dieu, qui répand le parfum de Dieu?
Bah, si tous les 3 mois je fais un gros juron, je pense qu'il ne pensera jamais ce genre de choses. Mais si au bout de quelques phrases, j'incorpore, par exemple, hein, j'incorpore l'intervention que Dieu a faite dans ma vie dans une circonstance parallèle avec la personne avec qui je parle, par exemple. Hein. Il se dit, mais tiens, comment elle a fait là? Mais qu'est-ce qu'il raconte là? Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est quoi ce parfum? C'est quoi ce parfum? Le parfum de la bonté? Peut-être. Hein. Les parfums de la gentillesse? Peut-être. Les parfums de la compassion? Etc. etc. Ce sont ceux-là, les parfums qu'il nous faut dégager envers ceux que nous rencontrons, envers ceux avec qui je travaille, envers ceux de ma famille qui se fichent royalement de Dieu. Quel est le parfum que je dégage? Nous sommes, dit Paul, verset 15, nous sommes le parfum de Christ. Et si nous le sommes, c'est qu'il ne faut pas courir après, mais ça doit se dégager de nous. Qu'est-ce qui se dégage de moi? Qu'est-ce qui se dégage de chacun de nous? Que disent les gens avec qui nous avons bavardé 3-4 minutes, coin de la rue, travail, n'importe, dans le train, dans le tram, dans le bus? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Qu'est-ce qu'ils disent de moi? Si c'est un bon parfum, on n'a pas grand-chose à dire, mais on dit, ben, ce parfum, il sent bon. C'est un très bon parfum, bravo. Et nous, quel est le parfum que je désire? Je répète encore la question. Nous sommes pour Christ le parfum de Dieu. Nous sommes, ça veut dire que je le suis. Donc ce parfum doit être sensible, doit être perceptible. Notre Église est-elle une Église qui partage le parfum de Dieu? 2 Corinthiens 1, verset 1. Pour l'apôtre de Jésus-Christ, par ta volonté, et au frère Sestème, Timothée, l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute la Caïne. Dans toute la Caïne, grande région. Tous les chrétiens qui étaient là avaient à peu près la même théologie. Tout ce qui, bien sûr, il n'y avait pas, comme aujourd'hui, 36 théologies différentes, il y avait la même théologie, la même approche de Dieu, parce que c'était sans doute les mêmes prédicateurs qui partageaient leur expérience avec Dieu. Qu'est-ce que je partage, moi, quand je parle de ma foi? Est-ce que je partage spécialement l'Église là-bas, à un tel endroit, pasteur sympa, cool, où les femmes peuvent faire ceci, les hommes peuvent faire cela, les enfants, ils sont aussi les bienvenus. Est-ce que c'est ça que je partage? Oui, c'est bien. Ou est-ce que ce que je partage, c'est ce que Dieu fait dans la vie, et dans ma vie en particulier? Et le parfum, c'est pas la peine d'essayer de le voir, ça ne se voit pas, mais ça se dégage. Qu'est-ce qui se dégage de chez moi? Qu'est-ce qui se dégage? Dans mon vocabulaire, par exemple. Dans les paroles que je transmets, qu'est-ce qui sort? Qu'est-ce que je retiens aussi des autres? Ah ouais, le mauvais coup qu'il m'a fait il y a 3 semaines, est-ce que c'est ça que je retiens? L'Église de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 1, 1. Pour l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu et le frère, Timothée, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. Il y avait beaucoup d'églises, et aujourd'hui il y en a bien plus. Mais l'église que je fréquente, est-ce une église qui a un bon témoignage? Est-ce que j'ose dire, moi je vais à cette église, à tel endroit? Est-ce que j'ose dire ça, ou bien je n'ose pas le dire, parce qu'il ne faudrait pas que ça se sache, ils ont tellement une mauvaise réputation. Quelle est l'église que je fréquente, qui est à Corinthe, il y a tous les saints qui sont dans toute la Caïe. Il y a l'église locale, il y a l'église générale, beaucoup d'églises, beaucoup de temples, beaucoup de chrétiens rassemblés, des formes différentes, des façons de faire différentes, des prédicateurs différents, des églises où les femmes peuvent prêcher, d'autres ne prêchent jamais, des églises où les hommes chantent sans l'instrument, c'est comme ça, c'est pas autrement. Oui, il y a toutes sortes de règles comme ça établies par les uns et par les autres. Est-ce que c'est ça qui est important? Ou est-ce que c'est au contraire ce qui est important, c'est celui qui est le fondateur de l'Église? 1-1. Pour l'apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, le frère, Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Cette Église de Dieu, on les connaît, c'est les Corinthiens. C'est dans cette Église fondée par l'apôtre qui a eu le plus d'embrouilles, les femmes s'étaient fâchées avec le mari, il y avait des tas de choses qui sont très humaines.
Et dans toute église de Dieu, il y a parfois, de ci, de là, des choses qui ne sont pas dans les normes. Est-ce que c'est pour cela que je dis, moi, je ne vais plus dans cette église? Ou au contraire, je dis, mais que Dieu bénisse cette personne. Que Dieu la fortifie, que Dieu la soulage, que Dieu lui pardonne. Toutes ces choses-là, et pour moi-même d'ailleurs, avant tout. L'église est faite avec des hommes et des femmes. Tous ne sont pas trois fois saints, mais tous sont trois fois saints à cause du Christ. Mais dans la réalité, dans la vie de tous les jours, eh bien, il nous arrive de pas toujours être au top. Que fait-on? On peut pleurer pendant 6 mois et dire « Ah, mais qu'est-ce que j'ai, mauvais chrétien ?» C'est pas ça qu'il faut faire. J'ai mal fait. Et quand j'ai mal fait, et si ça concerne quelqu'un, ben, je vais trouver la personne. J'ai dit « Écoute, j'ai été un peu agressif avec toi là, tout à l'heure, ou hier, ou avant-hier. » Ou il y a un an peut-être déjà. J'étais agressif, je suis désolé. Je te demande pardon. Pas facile à faire ça. Parce que l'autre va peut-être dire, je ne me souviens même pas, je n'ai même pas remarqué. Parce qu'il est tellement pas plus grossier que toi, il ne l'a même pas remarqué. Mais quand même, toi tu le sais. Je suis le parfum de Christ. Est-ce que la société, le monde, les gens voient en nous, pas des gens spéciaux qui sont mieux que les autres, mais des gens de foi. Des gens qui ont confiance en Dieu qu'on ne voit pas. Des gens qui ne sont pas gênés de faire appel à Dieu en priant. Des gens qui n'ont pas peur de dire, moi je vais dans un temple avec des hommes et des femmes et on est ensemble, ça dure une heure et demie, vous êtes fou, un quart d'heure c'est déjà bon. Est-ce que j'ose dire ça? Voyez? Est-ce que j'ose dire que il y a parfois eu dans ma vie des choses qui ont été mal faites et qui ont dû être réparées? Peut-être des mois ou des années après. Ben oui, ça n'a pas été confessé, donc ça n'est pas pardonné. On ne peut pas dire au Seigneur, pardonne-moi tous mes péchés, c'est bon ainsi, non? Je ne dois pas les confesser, vraiment. J'ai fait du mal à ce collègue-là, et à cause de moi, il a perdu sa promotion. Peut-être qu'il ne sait même pas que c'est à cause de moi, mais moi je le sais. Et si je suis cette bonne odeur de Christ, je dois peut-être aller le trouver. Tu sais, Marc ou Jules, tu n'as pas eu la place parce que c'est moi qui ai été te critiquer. Faut oser quand même. Pas facile. Peut-être même il ne sait pas, lui. Mais moi, je le sais. Je le sais. Et si je ne me lave pas bien, si je ne suis pas bien purifié par le sang du Christ et par la confession, la demande de pardon à Dieu, je ne pourrai pas continuer ma route tranquille. Je suis le parfum de Christ. Un parfum de Christ, ça se sent. Vous êtes le parfum, nous sommes le parfum de Christ. Et puis il y a les autres. Mais il y a aussi les autres dans le sein de ma famille. Ma femme, mon mari d'abord, mes enfants, mes parents. Est-ce qu'il ne m'est pas arrivé de faire quelque chose de pas bien? Qui a fait du tort? C'est un mauvais parfum, ça. C'est un parfum qui est désagréable. Je sens pas bon quand quelque chose n'a pas été confessé ou reconnu. Nous sommes le parfum du Christ. Quand Paul dit ça, il a dû avoir difficile de dire ça, parce que Paul, c'était un caillard. Hein. Il en a fait des choses dans sa vie. Il a fait mettre des gens en prison, lui, parce qu'ils étaient chrétiens. Mais il a réglé tout ça. Et quand c'est réglé, il y en a peut-être qui vont pardonner, il y en a peut-être qui ne vont pas pardonner, mais en tout cas, je l'aurais fait avec beaucoup d'humilité. Nous sommes le parfum du Christ. C'est pas pour que le parfum que je porte soit le meilleur, mais je reflète quelque part, comme Paul, je reflète un peu le Christ. Je suis pas le Christ. Mais par la vie que je connais du Christ, je veux aussi vivre. Christ n'a jamais péché. Moi, je pêche quand même. Et je ne peux pas dire, ben, je ne l'ai pas fait exprès, pardon, je m'excuse, ah oui, c'est facile, ça, je m'excuse, il ne faut pas s'excuser soi-même d'ailleurs, il faut demander pardon, ça c'est plus difficile. Et c'est d'autant plus difficile quand c'est des choses basiques comme ça, pas très important. Hein, si j'ai envoyé un coup de poing à quelqu'un, ça c'est très fort. Mais parfois j'ai dit des choses pas sympathiques, qui ont peut-être eu des conséquences pour l'autre, et qui lui n'a rien dit parce qu'il n'ose peut-être pas dire quelque chose. Nous sommes les ambassadeurs du Christ. Nous sommes le parfum de Christ. Vous avez tous, comme moi, déjà rencontré, passé de côté de personne, dit, ce parfum, je le connais, il sent bon.
C'est celui que j'aime. Un peu cher parfois, mais c'est celui que j'aime. J'aimerais pas que quelqu'un passe à côté de moi et dise, bon, celui-là, il pue, hein. Il a menti, il m'a foutu dedans dans mon travail, il m'a fait perdre mon boulot, ou il m'a accusé d'une tricherie à l'examen, ou je ne sais pas, tout ce qu'on veut là. Je ne sais pas le bon parfum, ça. Alors, j'ai aucune prétention de dire que je suis moi le parfum de Christ. Je tente vers ce parfum, j'essaye de le vivre. Mais Paul dit aussi que 2 Corinthiens 2, 15, 16, nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. C'est Dieu qui juge ce parfum, ce n'est pas nous les humains. Nous sommes pour Dieu le parfum du Christ. Est-ce que quelqu'un qui ne nous connaît pas ou qui nous rencontre de temps en temps, il sait que ça c'est un croyant qui y croit à son histoire. C'est ça être le parfum de Christ. On dégage quelque chose. Donc, nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ parmi ceux qui sont sauvés, donc parmi les croyants déjà, et parmi ceux qui périssent. C'est pas parce qu'ils n'en ont rien à faire que je ne dois pas rester ce parfum de Christ. Donc quand je suis occupé avec des travailleurs qui s'en fichent royalement de la religion, je dois rester quand même ce parfum de Christ. C'est pas facile. Mais remarquez bien qu'on n'a pas d'effort à faire pour qu'on sente le parfum que j'ai. Il suffit d'avoir le bon parfum. Le parfum de Christ qui est en moi. Agit, réagit, se sent, se touche, se répand auprès de tous ceux qui sont autour de moi. C'est vrai que c'est le même parfum, aux uns, une odeur de mort, c'est le même parfum, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. La vie. Certains ne veulent pas écouter Dieu, ne veulent pas entendre notre témoignage, même s'il est vraiment vrai. Mais ça, c'est leur problème. Ils ne sont pas obligés d'aimer ce que j'aime dans le parfum. Mais en tout cas, je dégage un parfum. Et je me pose la question, est-ce que le parfum que tu dégages, et le parfum de la copie quelque part de la vie de notre Seigneur Jésus. 2 Corinthiens 2, je le relis encore une fois, 15, 16, aux uns, une odeur de mort, c'est violent, hein, donnant la mort, ben oui, parce que celui qui prend ce parfum pour de la mort, ben il va passer par la mort aussi, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. À propos, c'était quand la dernière fois où j'ai un peu parlé de ma foi? C'est le parfum ça, que je veux dégager. C'était quand la dernière fois? Qu'est-ce que j'ai dit? Critiquer les autres de l'église, machin et tout, ça sert à rien ça. Qu'est-ce que je dis moi? Quand les gens posent des questions sur ma foi, toi tu crois, mais comment tu crois toi? Comment tu fais pour croire? C'est quand la dernière fois que j'ai expliqué ça? Donc, aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Personne n'est suffisant pour ça. C'est pourquoi le Seigneur vient à notre secours. Car si nous ne falsifions point la parole de Dieu, si je ne triche pas avec le parfum, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de ta part, de Dieu, que nous parlons en Christ devant Dieu. Pas besoin de diluer du parfum pour que j'en ai longtemps et beaucoup. Non, il ne faut pas tricher avec le parfum. Je suis un chrétien ou je ne suis pas un chrétien. Et si je suis un chrétien, c'est quelqu'un qui a accepté Christ dans sa vie. Et si j'ai accepté Christ dans ma vie, je laisse Christ jaillir en moi. Je parle de Christ. Il ne s'agit pas de parler de lui du soir au matin, ni du matin au soir. Mais il s'agit de saisir toutes les occasions, et il y en a beaucoup, qui se présentent pour mettre Dieu à l'honneur. D'ailleurs, c'est bien simple. Quand quelqu'un sent votre parfum qu'il ne connaît pas, qu'est-ce qu'il dit? C'est comment ton parfum? C'est quel nom? Tu l'as acheté où? Ça l'intéresse. Et sur une vie, sur un an, sur un mois, peut-être même sur un même jour, il peut arriver que plusieurs nous demandent, tu vas à l'église le dimanche, toi, c'est quoi ce truc-là? Mais enfin, une fois par an, c'est déjà bien, tu vas tous les dimanches. L'occasion rêvée pour expliquer ce parfum. Qu'est-ce qui m'attire là? C'est pas le parfum, hein, pas le parfum des uns et des autres, mais c'est le parfum de la parole de Dieu. Ne soyez pas gênés de porter un insigne qui nous fait rappeler que nous sommes des chrétiens. Je ne vais pas porter sa croix là. Mais un insigne, une petite croix ou quelque chose qui interpelle aujourd'hui. Combien de fois je suis interpellé, ma petite croix là? Ah, c'est notre veston, dimanche. J'en ai pas. Les gens, ils regardent. Ils pensent que je suis curé d'ailleurs. Mais quand je suis là avec ma femme, ils ne disent pas curé. Hein.
Si c'est pas possible, donc qu'est-ce qu'il est alors? C'est vrai, vous savez, c'est comme ça. Ayez un symbole qui fera penser aux autres que vous êtes croyants. Et ça permet aussi à l'occasion de développer une conversation. On discute de choses et d'autres, et puis en tout cas, moi je suis croyant, hein, tu vois, j'ai porté une croix, je suis croyant. Hein. Quel croyant, ben, vous pouvez expliquer. Je suis le parfum de Christ. Nous sommes, dit Paul, le parfum de Christ. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu. Tout lieu. Tout lieu, c'est à l'école, c'est au boulot, c'est dans la rue, c'est au GB du coin, c'est au bureau de police, en tout lieu, quoi. Hein, qui répand l'odeur de sa connaissance. Où que je vais, mon parfum il est sur moi, il va se répandre. On va pouvoir le sentir. Certains ne vont pas l'aimer, mais moi je l'aime parce que je l'ai acheté et je le porte volontiers et je représente Christ. Alors je propose que cette semaine, en particulier par exemple, on se dise, tiens, moi j'ai un parfum que j'ai acheté, que j'aime beaucoup, c'est très bien pour moi, mais je ne vais pas changer de parfum, mais ce parfum de la foi. Mon voisin, est-ce qu'il sait que je vais au temple? Est-ce qu'il sait seulement ce qu'est un temple? Ben, c'est l'occasion rêvée, à l'occasion de dire, tiens, aujourd'hui j'ai été au temple. Ah bon? C'est quoi ça? Et pourquoi tu vas au temple? Ben, parce qu'il ne fait pas froid peut-être, parce qu'il fait bon, parce que les gens sont sympas. On peut expliquer, il faut accrocher un peu. Pas beaucoup, parce que le parfum naturel, il ne faut pas beaucoup dire, mais on sent qu'il y a un parfum qui sent bon. Vivons notre foi. N'imposons pas notre foi, on n'impose pas une marque de parfum non plus. Mais vivons cela. Et nous pouvons être sûrs que le Seigneur fera son œuvre au moment opportun. Opportun pour la personne qui a senti ce parfum chez moi. Cet amour pour Dieu. Cette odeur qui n'est pas une odeur de mort, mais une odeur de vie. Et j'ai pris le temps, je n'ai pas le temps maintenant, mais quand je lisais les parfums de l'Ancien Testament, on avait des tailles, hein. C'était un parfum qui coûtait très cher, très très cher. Les produits étaient difficiles à trouver. Donc ceux qui avaient ce parfum avaient investi beaucoup. Mais je pense que pour être un bon chrétien, il faut aussi un peu investir. Investir dans le temps avec Dieu. Investir avec mes prières avec Dieu. Tout ça, c'est des qualités du parfum. Investir peut-être dans la lecture de la Bible. Investir peut-être de parler avec d'autres frères de la parole de Dieu. Tout ça, c'est des parfums qu'on peut mélanger et qui ensemble améliorent la qualité du parfum. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ce que Paul nous a laissé comme texte magnifique. Nous sommes pour Christ le parfum de Dieu, le parfum de la vie, le parfum qui est agréable à être senti. Merci Seigneur. Oh, parfois, on a laissé nos vieux vêtements tout souillés, et ce vieux vêtement étouffe un peu notre parfum. Et nous voulons, Seigneur, le laver, le purifier, le sanctifier, pour que nous puissions tout le temps sentir ta présence en nous. Que l'autre puisse dire, toi, tu es quand même quelqu'un de particulier avec ce parfum qui t'anime, qui t'entoure. Seigneur, que ta bénédiction soit sur nous tous. Que la grâce de Dieu, la paix du Christ, la plénitude de l'Esprit Saint nous accompagnent. Que ton parfum soit toujours en nous et sur nous. Et que nous puissions le laisser se répandre autour de nous. Et que nous puissions aussi prendre du temps pour ceux qui nous posent des questions. Gloire à ton nom. Sois béni. Bonne semaine à chacun. Amen. Toujours le même, toujours.